Ok, je vous promets que je fais vite. J'aimerais juste avoir beaucoup de conseils. Regardez la vidéo entièrement parce que j'ai vraiment besoin de vous. Ça dépend que de vous pour savoir ce que je fais. Du coup, vraiment, j'attends vos avis constructifs en commentaire. Regardez bien toute la vidéo pour comprendre. Voilà, je vous remercie tous. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement. Et on s'en va aux 30 000 abonnés. Allez, allez checker tous les petits liens en description. Il y a mes réseaux sociaux, il y a le Utip, il y a tout ce qu'il faut pour être bien, quoi. Du coup, voilà. Allez, à tous, bonne vidéo et écoutez bien ce que j'ai à vous dire. C'est très important. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. C'est Léo de retour, un nouveau vlog. Bon, j'espère que la cam elle est bien positionnée. M'en voulez pas, hein. Mais j'ai toujours du mal à positionner. On est le 2 mai. La vidéo sort le 3 mai. Donc faut que je fasse un montage rapide mais efficace. Bon, j'espère que tout le monde va bien. C'est bientôt la fin du confinement. Faut tenir bon les loulous. Moi je vous le dis, le 11 on pourra ressortir, que par région. Sinon je tenais à vous remercier, bientôt 23 000 abonnés. Le mois d'avril, les stats, ils ont été exceptionnels. J'ai fait des bonnes stats. On est plus de 1500 nouveaux sur la chaîne, plus de 100 000 vues. C'est juste incroyable, je vous remercie tous. N'hésitez toujours pas à mettre le petit pouce bleu, ça joue un petit peu dans le référencement. À mettre masse commentaire, dites-moi si le micro c'est ok, normalement c'est bon. Je l'ai fixé, donc si là c'est bon, ça bougera plus. Juste peut-être la cam à la régler de temps en temps, mais dites-moi en commentaire, j'attends vos avis. Voilà, si on tente les 500 pouces bleus, prochain motovlog, hein, comme d'hab. Hein. Bon, attendez, je vais essayer de pas les shooter les loulous. On va se mettre là. Tac, tac, tac. Oh, j'ai fait un départ arrêté de course. J'ai fait un départ arrêté de course MotoGP là ou quoi là? Waouh! Ouais, j'ai fait n'importe quoi pour mon départ là. Bon, bref, aujourd'hui on va parler de quoi? Vous l'avez vu, titre, miniature. Oh, un collègue en trottinette. Allez, il y a un seul trou et faut que je le prenne. Petite trottinette la même que moi, RIP à la mienne. Hein. Elle est dead, vous avez vu, j'ai mis la mousse. Dernière vidéo, elle y était pas et bah là elle y est. Dites-moi si vous kiffez. Mini mousse, ça coûte une couille. Faut être blindé pour pouvoir acheter ça les loulous. Bien sûr que je suis pas blindé, hein. Il y avait un code promo le week-end chez Scootfast. Mais la livraison c'est 10 balles, la mousse c'est 15 balles, ça fait 25 balles pour une petite mousse de guidon. Je trouve que c'est un peu cher. Bref, aujourd'hui, comme je l'ai dit, petite miniature, vous l'avez vu ce qu'on va faire. On va parler de choses piquantes. La revente de ma 50. Faut savoir que je l'ai acheté il y a quelques mois, la 50, ça fait 3 mois, 4 mois que je l'ai. Et déjà la revente, je vais vous expliquer pourquoi, si vraiment je la revends, si j'hésite encore, je sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que je vais pas la garder. Je sais pas, je vais pas être là en mode ça me brise le cœur, comme je vous le dis. J'ai jamais voulu être motard. Ça m'a pris d'un coup comme ça, et voilà. J'aime bien la moto, je vais pas vous mentir, j'aime bien. Je prends peut-être cette décision à chaud de dire que je la revends, mais c'est parce que je me fais trop peur en moto. Ok. Oui. Ok, j'ai enlevé la visière parce que je vous jure, ça me saoule. C'est horrible. Putain, je crois que j'ai pété le câble du micro, les mecs. J'espère que vous m'entendez toujours. Bref, je disais, je prends peut-être cette décision à chaud, mais la dernière fois que je suis allé rouler sur des vraies routes, je me suis fait grave peur. Je vais vous expliquer. En mode, comme je l'ai dit, jamais voulu être motard, avoir de moto. C'est pas mon rêve depuis que je suis petit d'avoir une moto ni rien. Juste, ça m'avait pris, voilà. Et du coup, j'avais acheté la moto. Faut savoir que je l'ai payée entièrement de ma poche. Voilà, donc mes parents n'ont rien payé. Donc en mode, c'est pas un cadeau. Donc bref. J'ai peur, en moto je vais pas te mentir, j'ai peur. Enfin je me suis fait peur parce que j'ai jamais roulé. Quand j'étais petit j'ai jamais eu une moto, là c'est ma première. Donc voilà, j'arrive à des ronds-points des fois, j'ai du mal à repartir, je cale. Bon tout le monde me dit que c'est normal, que c'est parce que je viens de commencer et tout. Mais je sais pas si c'est vraiment fait pour moi, tu vois. C'est ça que je me dis. Du coup j'hésite à la revendre pour, parce qu'il y a un truc vraiment que je veux de fou, c'est depuis que je veux une 50 en fait je veux plus un truc pour aller rouler dans les bois, tu vois. Et donc pourquoi pas revendre cette moto, cette bécane, pour acheter
acheter tout simplement une crosse. Donc pour aller rouler dans des champs, dans des forêts, bref, t'as capté, je préfère rouler sur des champs que dans la route. Donc déjà, y a moins de risques à rouler dans les champs et tout, même si le risque est toujours présent. Mais tu vois, là même, pour prendre un Dodan, je le prends à 10 le Dodan, tu vois, je me demande si c'est bien ou pas. Donc bref, après quand j'ai passé mon BSR, ça s'est passé super rapidement. Donc c'est-à-dire qu'en mode, j'ai passé mon BSR sur un scooter, donc il n'y avait pas les vitesses. Donc moi, ayant jamais conduit de moto à vitesse, quand j'ai eu la mienne entre les jambes, bah je savais rien faire, tu vois. Et du coup, bah j'ai appris comme ça sur le tas. Mon père est motard, donc lui a réussi à m'expliquer. Encore, je sais pas comment les gens qui n'ont pas des parents motards et qui n'ont jamais conduit leur moto de leur vie et qui passent le permis 50, je sais pas comment ils font. Bref, mon père, moi, m'a expliqué. Hop, on va pas refaire la même connerie que la dernière fois ici. Vous vous rappelez, dernière vidéo, j'ai fait n'importe quoi, j'ai failli finir tout droit. Bref, et du coup, bah, je me suis fait peur la dernière fois que j'ai roulé en moto, vraiment, genre grosse frayeur. Je suis allé sur des départementales. Bon, là, j'ai bombardé 85, les mecs, j'ai pris pour l'instant, pour ceux qui me demandent. Mais je me suis fait peur au niveau des ronds-points. Tu sais, moi, dans la circulation, je suis pas à l'aise avec les camions et tout. Je gère pas encore trop bien pour rétrograder mes vitesses et tout. Et j'ai peur, je touche du singe. Je suis un singe, que j'aurai pas d'accident. Mais avec mes... Mais je me dis que, tu vois... Enfin, comme ma conduite est calée en plein rond-point et tout, j'ai peur, tu vois. Et donc, j'ai pas envie que l'irréfutable arrive, tu vois. Genre, pour te dire, la dernière fois que j'ai roulé, je suais du cul, frère. J'avais peur, sa mère. Bon, après, je pense qu'il y en a, ils vont me dire dans les commentaires, c'est normal. Dites-moi, vous, votre ressenti quand vous avez eu votre première moto. Comment vous étiez, si vous avez eu peur, si c'est normal et tout. Après, j'ai un bon feeling avec la route, tu vois. Route fermée, il y a personne. Là comme ça, là, c'est... Le feeling, il est top, j'aime bien, tu vois. J'ai pas... Oh, c'est satisfaisant. Oh, c'est satisfaisant de fou. Wow, regardez. Oh, comment c'est bien fait. Oh, je kiffe. Et du coup, bref, après, il y a surtout le toujours de... Ouais, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Enfin, je sais pas si vous comprenez un peu mon sentiment. Je suis partagé entre la revendre, mais bien sûr, avec un contrat de racheter une bécane de cross derrière, ou de la revendre et... Tu vois, là, je sais pas à combien tième vitesse je suis. C'est les départs qui me font peur. Là, je suis en 3. Ouais. 4. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est que j'ai pas de... Ça me saoule, c'est que j'ai pas de truc pour voir mes vitesses. Donc ça aussi, ça me fait peur quand je roule. Avant, j'arrivais pas à trouver le point mort. Maintenant, ça va avec le point mort. Mais je sais pas si vous comprenez un peu le sentiment dans lequel je suis de... J'aime bien, je kiffe la moto, je suis pas là en mode moto addict, mais j'aime bien de temps en temps prendre la petite moto comme ça, aller rouler, me faire plaisir. Bon là, vous allez me dire c'est encore le confinement, j'ai pas encore vécu la moto en été, la folie et tout, mais bref. Hop, la route là elle est un peu dégueulasse. Mais voilà, je sais pas ce que je fais, dites-moi dans les commentaires. Si je la revends et je prends bien sûr avec mes parents un contrat en mode ok je revends la bécane mais par ailleurs j'achète une crosse. Genre certes une crosse c'est illégal mais je veux rouler dans les champs, il n'y a personne, autour de moi c'est rempli de champs. Voilà quoi, c'est un peu la semi-campagne ville quoi. Donc je sais pas, dites-moi ce que je fais, voilà, j'attends vos avis en commentaire. Ça se trouve c'est une décision à chaud que j'ai envie de prendre. C'est aussi de voir à combien je peux la revendre, combien je peux en tirer, de pas trop perdre d'argent. J'ai la moto, je l'ai achetée, elle avait 11 000 bornes, non même pas, elle avait 11 500 bornes, j'ai fait même pas 300 km. Enfin bref, la moto n'a pas roulé, donc je sais pas. Je sais pas, dites-moi. Ok les mecs, vous allez dégager de là, s'il vous plaît, merci. Dites-moi ce que je fais. Si vous, ça vous plairait, des vidéos en cross dans les bois, en enduro, ou je continue les motovlogs ici, tout simplement. J'attends vos avis en commentaire. Sachez que si bien sûr je serai là à me chier dessus, mais comme un porc, je prendrai même pas la bécane pour rouler là. Même si je sais que là, bah, c'est pas que j'ai peur, en fait, j'ai peur quand je suis en circuit. Parce que j'ai peur quand il y a du monde, tu vois, qu'il faut rétrograder tout le temps les vitesses et tout. Sinon après j'aime bien le sentiment d'être sur ma moto, tu vois, c'est pas en mode je suis pas contract, bloc, pas à l'aise et tout, tu vois. Ça je le faisais pas avant, de rétrograder,
C'est pour ça que je prenais du temps pour accélérer. Maintenant, j'oublie pas de rétrograder et tout. Du coup, voilà, dites-moi. Moi, je sors là en plein confinement entre deux éclaircies. Donc, ceux qui ont des 50, est-ce que vous êtes passé au 125? Parce que, après, je pourrais aussi passer au 125, mais ça serait pareil. J'aurais peur en circuit, tu vois. Donc, j'attends votre décision dans les commentaires. Léo, vous mettez hashtag Léo, continue les vlogs. Léo, prends une crosse. Enfin, je sais pas, j'attends vos commentaires avec impatience pour savoir ce que vous auriez fait à ma place, sachant que pour la crosse, je vais devoir rajouter de l'argent, ce qui est sûr. Je vais jamais trouver une crosse à 1 800-2 000 balles. Enfin, quoique, on va faire gaffe ici. Hein. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fait en plein milieu de la route celle-là? Oh putain, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, ouais gros. Et genre les parents ils appellent pas le gosse là. Le gosse il est en plein milieu de la route gros. Putain mais c'est quoi ça? C'est quoi les parents quoi? Du coup voilà, j'attends vos avis en commentaire de ce que je dois faire. Si oui ou non je dois revendre ce bijou. Déjà si j'arrive à le revendre, que j'ai la thune en main, vous me dites Léo, prends-toi une crosse. Ou Léo bah ne prends pas de cross, enfin bref, je sais pas. Si vous avez déjà été dans des situations comme ça, quand vous avez passé votre permis 50 et que vous avez eu votre moto, est-ce que vous étiez aussi dans ce même état d'esprit là? Elle était un peu au milieu de la route là. J'attends vos avis, ça se trouve c'est une décision de merde que je prends, il faut que je garde la moto, c'est qu'un temps d'adaptation. Voilà, je vous attends en commentaire, vous me dites. Si jamais je vois que c'est une décision prise comme ça, que ça sert à rien de la revendre, que je vais m'habituer, bah je ferai ça et puis écoutez on fera tout. Là j'ai 5 mois et demi de vacances. Faut savoir que techniquement je retourne pas à l'école. Normalement, enfin ma soeur, mes parents ils ont décidé de pas la renvoyer alors qu'ils pouvaient la renvoyer. Mais avec le virus et tout, ma soeur c'est fini, elle va plus à l'école avant septembre. Donc moi il va falloir prendre la décision bientôt je pense. Même si les lycées c'est en juin, on verra bien. Bref, je verrai ça. Putain gros, on est en confinement, je vois y a des mecs de partout, tu vois. Tu vois même un rond-point, je sais pas le prendre gros. Le regard. Après, tu vois, je me plains pas. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, à peine tu viens d'avoir ta moto, tu te plains déjà. T'en as, ils ont pas la chance que t'as de pouvoir en avoir une et tout. Bref, je vais pas vous mentir. Je sais très bien, ça tombe pas du ciel. Mais bon, après, c'est quand même mon choix principal, quoi. C'est quand même ma thune. Elle est pas tombée du ciel. J'ai pas gagné au loto. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, c'est des violeurs ou quoi? Moi, je voulais juste faire ma petite vidéo tranquille. Je suis tombé sur qui là-bas? Tu sais souvent les petites voitures au bord là. Oh putain. Eh c'est une crosse la moto ou quoi? Ah putain par contre là j'ai fait n'importe quoi. Voilà, je sais pas. En tout cas la bécane elle est neuve frère, tout d'origine, débridée. Aucune pièce changée dessus. Donc en mode je sais que pour la revente ça devrait aller. Attendez, on va mettre le point mort. Ok, voilà. Donc ça fume toujours. Ok nickel. Ouais, ça fait plaisir de venir là comme sans confinement. Hop, du coup voilà. Ma petite derby, est-ce que je m'en sépare? Est-ce que je la garde? Je sais pas. Quoi faire? Soit je la revends, j'achète une crosse, on se fait plaisir en crosse. Toi, rouler comme ça, crosse, boum, j'aimerais trop. Là, ma moto, c'est sur la route. Certes, j'aurais peut-être une 50 en enduro, je sais pas, mais vos avis en commentaire. Bref, il y a les gens qui vont arriver. Donc je vais y aller, ça va commencer à être gênant. Du coup, j'attends vos avis, vous me dites. Et puis voilà. Bref. Moi je vais y aller et on va faire la fin de la vidéo. Hop. Premier coup. C'est quoi ça? Wesh. On dirait qu'ils ont fait une pêche à l'aimant ici. Bref, c'est toujours pas rouvert. Hein. Moi je voulais venir vous faire la vidéo en vélo. Mais je me suis dit, si c'est pas ouvert, ça sert à rien. Vos avis, ça se trouve, je vais avoir des Léo, tu fais n'importe quoi, tu viens d'avoir ta bécane, il y en a, ils ont pas cette chance, arrête de dire n'importe quoi. Conseillez-moi, faites des commentaires constructifs. En mode, c'est normal que t'as peur, c'est le début. Parce que je sais, si je deviens à l'aise, tu vois, mais j'ai pas envie qu'une connerie m'arrive durant mon temps d'adaptation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre là, j'ai pas envie que juste parce que je sache pas rouler. Après, je sais très bien qu'à force de rouler, je vais savoir rouler, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Je sais pas. Je suis mitigé. La revendre, la garder, la revendre, la garder. Vous me dites et j'appliquerai vos conseils, vos revendications. Bref, je vous attends en commentaire.
Ouais, en fait là j'ai bugué. Je savais pas en combien de deuxième vitesse que j'étais, donc normalement 3. Je savais pas quoi faire. Encore, j'arriverai à avoir un petit indicateur qui me dit si t'es en 2 ou quoi, tu vois, c'est un scooter. Demain tu mets un scooter, j'ai aussi pensé à pas prendre une crosse, prendre un scooter, tu vois, mais je sais pas, ça serait pas le même feeling en scoot, tu vois, même si un scooter ça pourrait être tout aussi bien quoi. Mais là ouais, mon kiff moi c'est d'avoir une 50, d'aller dans les bois, enfin une 50, une 125, cross, aller dans les bois, me balader tranquillou. Putain, ça me casse les couilles ce rond-point. En fait, je vais vous expliquer, c'est le maire de la ville qui l'a mis parce qu'il habite dans une de ses maisons et qu'il en a marre d'entendre les voitures. La 3. Ouais, là je suis en 3 là. Bref, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos commentaires constructifs, bien sûr. Ne soyez pas là en commentaire pour me dire espèce de sgeg. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu malgré le confinement. Et je plierai à vos exigences. Et conseillez-moi des modèles. Je pense 125 ou pas 250, hein, peut-être pas, ouais, peut-être plus 125. Vous me dites, je vous attends, c'était Léo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans une future vidéo. Wesh. Attends, c'est pas normal ça. Bref, voilà, j'arrête de blablater. J'attends vos commentaires, vos idées de modèles. De si je prends une cross, 125, 250, 450, enfin bref, vous me dites ce que ça change. Sinon, bah sachez que j'aime bien parce qu'en fait, je l'avais pris surtout, je pouvais aller au lycée avec, mais il n'y a plus le lycée. Logique. Bref, c'était Léo, j'attends vos avis en commentaire, vous me dites. Et on verra bien ce qu'on fait les mecs. Allez, sur ce, ciao ciao!